c'est Goldigger, comment allez-vous? Moi, ça va parfaitement. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Destiny. Une vidéo donc qui vous présentera les 5 coffres dorés sur Vénus. Alors, à savoir que là, je commence la vidéo, je viens de trouver un coffre sur Vénus, donc je vais vous montrer l'emplacement des 4 coffres et le dernier que j'ouvrirai en même temps que vous. A tout de suite. Très bien, en avant. Nous voici sur Vénus, donc pour le premier coffre. Alors, vous allez tout simplement en mode patrouille, vous prenez le vaisseau là. Quand vous venez d'arriver, de toute façon, vous spawnez toujours au même endroit. Et le premier coffre n'est vraiment pas loin. Voilà, vous voyez qu'il y a un niveau 24 là-bas. Et je commence à avoir vraiment un bon niveau. Vous passez les ennemis, on n'en a rien à faire. Ce n'est pas notre problème. Hop. Continuez par là, vous voyez que vraiment ça va pas être loin parce que le coffre, le tout premier coffre, enfin, j'appelle ça le tout premier, c'est vraiment plus facile à avoir, ça va être juste en dessous. Et c'est d'ailleurs par là que vous pourrez aller pour trouver le dernier coffre, puisque j'ai trouvé le dernier coffre avant de faire celle-ci, donc avant de faire la vidéo du monde, parce que le coffre ça fait longtemps que je l'ai trouvé, donc voilà, il est là, vous le verrez sur votre écran. A tout de suite pour le prochain coffre. Alors on se retrouve pour un coffre sur Vénus, je ne sais pas lequel, donc je vous dirai pas lequel c'est, je sais pas encore l'ordre, je suis en train de les chercher. Alors vous avez ici un petit panneau là, quand vous allez tuer le Skal, c'est la mission, que je vous dise pas de bêtises, l'antre de l'hiver, voilà, donc oui c'est la mission, l'antre de l'hiver, vous tuez la garde du Skal, vous voyez le panneau ici, vous continuez à monter normalement, hop. Quand vous montez ici, il y a deux petits panneaux de lumière, deux petits néons plutôt. Vous allez sur le premier néon jaune, ou le deuxième plutôt. Et là, vous sautez, hop, jusque là-bas. Moi, je vais sauter trop, je vais me viander. Non, et si. Et voilà, vous avez vu comment on y va. Vous chopez le coffre. Et on se retrouve tout de suite pour un autre coffre. Alors, on se retrouve maintenant pour le deuxième coffre de la même mission. L'antre de l'hiver, après avoir tué l'escale, vous descendez de le long de la montagne, non pas à cheval. Cette fois, vous descendez à pied et vous continuez donc jusqu'au vaisseau. Vous montez sur le vaisseau, là, comme je le fais. Vous allez au bout du vaisseau, à l'arrière du vaisseau. Hop, et ça, c'est un coffre que j'ai déjà trouvé, donc vous ne le verrez pas. Et le coffre est ici, normalement, il est en plein milieu, là, bien caché à l'arrière du vaisseau. Voilà, on se retrouve tout de suite pour un nouveau coffre lors d'une mission sur Vénus. Vous avez une réparation limitée ici. Vous arrivez de ce côté là-bas. Vous arrivez par là-bas. Vous avez ici votre spectre à mettre à l'intérieur d'un petit bunker, je dirais. Et vous pouvez trouver un coffre en or. On se retrouve directement là-bas au fond de la map. Vous pouvez tracer le coffre. Vous arrivez de côté, vous passez derrière ici, vous avez un coffre qui se trouve ici. Alors on se retrouve maintenant pour le dernier coffre survenu, ce dernier coffre que je viens de trouver, donc je suis en train de faire demi-tour pour vous montrer comment s'y rendre, parce que c'est quand même pas simple, je suis allé en patrouille et je l'ai trouvé par hasard, et je viens de le trouver, faut dire qu'en même temps je prends pas trop le temps de les chercher étant donné que je joue avec un ami. Et j'attends qu'il ait mon niveau pour pouvoir looter des armures un peu meilleures que celles que j'ai, celles qui rapportent de la lumière pour pouvoir augmenter mon niveau. Là, tout simplement pour l'instant il est qu'au niveau 14, c'est assez compliqué. On vient de passer Vénus, on va aller sur Mars, et donc commencer à chercher les coffres sur Mars, dans les missions de Mars, que j'ai pas commencé. Donc vous reconnaissez je pense ici le terrain avec les Vex qui se battent avec les déchus. Tout le monde ici, c'est la fête, c'est un gros gangbang. Donc normalement vous arrivez à finir avec eux. Vous arrivez de là-bas je crois, vous prenez l'espèce de tunnel là qui est de couleur violette un peu. Vous y trouvez d'ailleurs un coffre, donc vous l'avez vu plutôt dans la vidéo. Et vous prenez donc cette entrée-là. Cette entrée-là. Donc vous voyez ici le signe au-dessus. Hein. Donc je m'en vais parce qu'ils vont jamais me laisser tranquille. Vous continuez par ici. C'est tout propre. Vous voyez que le signe, encore toujours, il est ici. Vous continuez. C'est que vous êtes au bon endroit.
J'espère que les ennemis ne vont pas spawn à nouveau parce que je viens de les faire. Voilà, je vais me les faire. Donc vous continuez ici, il y a pas mal d'ennemis, donc je pense qu'il faudra pas être tout seul. Ou alors vous prendrez du temps avant de tous les tuer. Vous arrivez ici, dans une salle avec des bureaux. Pas des bureaux, des ordinateurs portables. Alors, vous voyez encore le signe ici, vous continuez, hop. Et vous avez le coffre qui est là. Et que j'ouvre en même temps que vous. Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très prochainement pour une future vidéo sur les coffres de Mars, comme je vous l'ai plus ou moins annoncé juste avant. Et je vous dis merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao, bye bye. Continuez à monter normalement. Hop. Quand vous montez ici, il y a deux petits panneaux de lumière, enfin deux petits néons plutôt. Vous allez sur le premier néon jaune, ou le deuxième plutôt. Et là, vous sautez, hop, jusque là-bas. Moi, je vais sauter trop, je vais me viander. Non, et si. Et voilà, vous avez vu comment on y va. Vous chopez le coffre. Et on se retrouve tout de suite pour un autre coffre. Alors, on se retrouve maintenant pour le deuxième coffre de la même mission. L'antre de l'hiver, après avoir tué l'escale, vous descendez le long de la montagne, non pas à cheval. Cette fois, vous descendez à pied et vous continuez donc jusqu'au vaisseau. Vous montez sur le vaisseau, là, comme je le fais. Vous allez au bout du vaisseau, à l'arrière du vaisseau. Hop, et ça, c'est un coffre que j'ai déjà trouvé, donc vous ne le verrez pas. Et le coffre est ici, normalement, il est en plein milieu, là, bien caché à l'arrière du vaisseau. Voilà, on se retrouve tout de suite pour un nouveau coffre. Et j'attends qu'il ait mon niveau pour pouvoir looter des armures un peu meilleures que celles que j'ai, celles qui rapportent de la lumière pour pouvoir augmenter mon niveau. Là, tout simplement, pour l'instant, il est qu'au niveau 14. C'est assez compliqué. On vient de passer Vénus, on va aller sur Mars. Et donc, commencer à chercher les coffres sur Mars, dans les missions de Mars, que j'ai pas commencé. Donc vous reconnaissez je pense ici le terrain avec les Vex qui se battent avec les déchus. Tout le monde ici, c'est la fête, c'est un gros gangbang. Donc normalement vous arrivez à finir avec eux. Vous arrivez de là-bas, je crois, vous prenez l'espèce de tunnel là qui est de couleur violette un peu. Vous y trouvez, ça n'est pas notre problème. Hop, vous continuez par là. Vous voyez que vraiment ça va pas être loin parce que le coffre, le tout premier coffre, enfin, j'appelle ça le tout premier, c'est vraiment plus facile à avoir. Ça va être juste en dessous. Et c'est d'ailleurs par là que vous pourrez aller pour trouver le dernier coffre. Puisque j'ai trouvé le dernier coffre avant de faire celle-ci. Donc, avant de faire la vidéo du monde, parce que le coffre, ça fait longtemps que je l'ai trouvé. Donc, voilà, il est là, vous le verrez sur votre écran. A tout de suite pour le prochain coffre. Alors, on se retrouve pour un coffre sur Vénus. Je ne sais pas lequel, donc je vous dirai pas lequel c'est. Je sais pas encore l'ordre. Je suis en train de les chercher. Alors, vous avez ici un petit panneau, là, quand vous allez tuer le Scal. C'est la mission, que je vous dise pas de bêtises. L'antre de l'hiver, voilà. Donc, oui, c'est la mission, l'antre de l'hiver. Vous tuez la garde du Scal. Vous voyez le panneau ici. Vous lors d'une mission sur Vénus. Arrivez à... Vous avez une réparation limitée ici. Vous arrivez de ce côté là-bas. Vous arrivez par là-bas, vous avez ici votre spectre à mettre à l'intérieur d'un petit bunker, je dirais. Et vous pouvez trouver un coffre en or. On se retrouve là-bas, on prend la map. Vous pouvez tracer le coffre si vous arrivez à le côté. Vous passez derrière ici. Vous avez un coffre qui se trouve ici. Alors on se retrouve maintenant pour le dernier coffre survenu, ce dernier coffre que je viens de trouver, donc je suis en train de faire demi-tour pour vous montrer comment s'y rendre, parce que c'est quand même pas simple. Je suis allé en patrouille et je l'ai trouvé par hasard, et je viens de le trouver. Faut dire qu'en même temps je prends pas trop le temps de les chercher étant donné que je joue avec un ami. C'est Goldigger, comment allez-vous? Moi, ça va parfaitement. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Destiny. Une vidéo donc qui vous présentera les 5 coffres dorés sur Vénus. Alors, à savoir que là, je commence la vidéo, je viens de trouver un coffre sur Vénus. Donc,
Je vais vous montrer l'emplacement des quatre coffres et le dernier que j'ouvrirai en même temps que vous. À tout de suite. Très bien. En avant. Nous voici sur Vénus, donc pour le premier coffre. Alors, vous allez tout simplement en mode patrouille. Vous allez en mode patrouille. Vous prenez le vaisseau là. Quand vous venez d'arriver, de toute façon, vous spawnez toujours au même endroit. Et le premier coffre n'est vraiment pas loin. Voilà, vous voyez qu'il y a un niveau 24 là-bas. Et je commence à avoir vraiment un bon niveau. Vous passez les ennemis, on n'en a rien à faire.